Les étudiants de la 8e promotion de l'École internationale de détective et de stratégie EIDS ont reçu leur parchemin ce mercredi 10 novembre 2021. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'EIDS à Cotonou en présence des responsables, formateurs et des impétrants. Je suis autant plus fier de faire partie d'une prestigieuse école qui se trouve dans notre pays et particulièrement en Afrique subsaharienne. Les jours passés dans cette école furent denses, non seulement en pratique, mais aussi en émotions fortes et en rencontres. Nous sommes honorés de ce diplôme que nous recevons aujourd'hui. Toutes ces formations sont assurées par des professeurs d'université et des fonctionnaires de police de haut niveau, dont des magistrats spécialisés en droit, en criminologie, en police technique et scientifique, en topographie et des experts en intelligence économique. Cette année, l'EIDS a opté pour des innovations au nom desquelles une plateforme e-learning. Comme ce fut le cas depuis 2014, nous voici encore une fois en train d'honorer les étudiants qui ont brillamment terminé leur formation. Cette fois-ci, nous avons eu l'insigne honneur d'accueillir des étudiants de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et même des agents de la police républicaine du Bénin. Chers étudiants, l'aventure qui a commencé il y a plus d'un an est arrivée à son terme malgré la pandémie liée au COVID-19 à laquelle nous avons fait face. Mais à quelque chose malheur, cette pandémie nous a permis des innovations en implémentant une plateforme e-learning, ce qui nous a permis de continuer votre formation à distance et de la parachever par 2 mois de stage pratique. Vous avez fait preuve de discipline, d'abnégation et de rigueur pour terminer votre formation. C'est pourquoi j'ai décidé de nommer votre promotion La Persévérance 2020. L'École internationale de détective et de stratégie, un établissement de formation professionnelle élitiste en matière d'investigation, de management, d'analyse politique et de stratégie, a été créée en 2013. C'est une structure à l'avant-garde des nouvelles exigences qui, au plan académique, a confié son management à un personnel de qualité et de rigueur scientifique. La prochaine rentrée aura lieu le vendredi 12 novembre 2021 à 9h très précise.